Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Henri Luc. Aujourd'hui, je vais faire un pain multigrain. La recette de ce pain a été créée au début des années 1990 par un ami, Vincent, qui fait de la panification sur levure. Vincent est un boulanger chevronné qui a peaufiné sa recette pendant une vingtaine d'années. Dans le cadre d'une étroite collaboration, il m'a autorisé à convertir sa recette de pain multigrain sur levure en une recette de pain sur levain et à l'adapter à différents types de produits panifiés. Je profite de l'occasion pour le remercier. Avant de commencer, j'ai trois points à mentionner. J'ai choisi la quatrième liste d'ingrédients de la recette et je vais remplacer la farine de blé entier par de la farine de seigle tamisée. Comme les flocons d'avoine et les grains entiers absorbent beaucoup d'eau, il convient d'ajouter de l'eau à la pâte dans une proportion égale au poids des flocons et des grains entiers. C'est pour cette raison que vous verrez dans la recette 258 g d'eau et entre parenthèses 149 plus 61 plus 48. Lorsqu'il y a du lait dans une recette de pain au levain, il vaut mieux utiliser du lait ultra haute température, comme le lait Grand Prix, ou alors faire préalablement chauffer le lait et le faire revenir à la température ambiante. Dans mon bac à pâte, j'ai mis 329 g de farine tout usage, 51 g de farine de seigle tamisée, 61 g de flocons d'avoine, 48 g de céréales de 12 grains et 9 g de sel. Dans mon bol, j'ai mis 119 g de levain de tout point, 258 g d'eau, 79 g de lait Grand Prix et 15 g d'huile. Alors, nous sommes prêts à faire le phrasage. Donc, je vais mélanger le levain avec le reste. Et je vais verser la farine, les céréales, les flocons d'avoine et le sel. La farine Robin Hood, qui est multigrain, elle est conçue pour faire du pain, sauf que, compte tenu du fait qu'on ne sait pas la part de grain et la part de farine dedans, je ne la recommande pas, parce qu'on ne peut pas connaître le taux d'hydratation. Alors, il est préférable d'utiliser cette farine-ci, la farine ordinaire, et des céréales, d'ajouter la quantité voulue. Au début, la pâte, elle est comme très hydratée parce qu'on a mis plus d'eau, mais les grains vont absorber une partie de l'eau plus tard. Alors, on va transférer la pâte dans le bac. Un petit peu, on met l'eau et on ferme. On se revoit dans 30 minutes.
Nous sommes maintenant rendus au premier étirage. On se mouille les mains et on fait comme d'habitude. La pâte est un peu différente. Il faut juste faire attention pour ne pas la faire de trous. Donc, on l'étire moins. Et voilà pour le premier étirage. On se revoit dans 30 minutes. Nous sommes rendus au deuxième étirage. Comme toujours, on se mouille un peu les mains. Ouais, là, c'est beaucoup plus facile que le premier étirage. Bon. On se revoit dans une demi-heure. Nous sommes rendus au troisième étirage. Alors, pour cet étirage-là, on va le tourner à l'envers. Le tourner comme ça, l'étirer comme ça, l'étirer ainsi, et l'étirer de l'autre sens. Là. Par la suite, on peut juste bien le former pour que ça fasse une belle boule. Et on est prêt. Il reste à peu près 40 minutes pour le pointage avant de le mettre au réfrigérateur. Si vous constatez que le pain n'a pas levé assez, alors laissez-lui une demi-heure ou une heure de plus au pointage à la température ambiante. Voilà, c'est tout. Alors, on se reparle demain matin. Il est 9h du matin, la pâte a été au frigo toute la nuit. J'ai sorti la pâte vers 8h30 et je l'ai mis une demi-heure de temps à la température ambiante. Maintenant, on va faire le pré-façonnage. J'ai oublié de mentionner hier que j'ai mis une petite couche d'huile et j'ai mis un papier cellophane. Alors, on peut l'enlever. On voit qu'elle est très belle. Alors, on va faire le petit coup de farine et ensuite, on va pouvoir la déplacer sur voilà et on la déplace en la laissant le plus possible se détacher d'elle-même. Voilà. Pour le préfaçonnage en boule, tout ce qu'on fait, c'est qu'on étire ça ici, on étire ça ici, ça chacun des coins, et ensuite chacun des autres coins. Et on tourne à l'envers. Et le préfaçonnage est terminé. On met quelque chose comme ça par-dessus et on attend 15 minutes. Ça fait maintenant 15 minutes que la pâte se repose, donc on va passer au façonnage. On enlève la serviette. Alors, pour le façonnage, je vais mouiller les mains. Je vais essayer de... Parce que normalement, je suis gaucher. Donc, normalement, un droitier devrait faire ça. Il faut pousser à l'intérieur et de l'autre main, on ramène. On pousse et on ramène. Moi, je vais le faire en gaucher, là. Et ça devient comme ça. La pâte va se bouger. Et là, on voit, elle est très belle. Il y a une petite bulle ici. Farine de bâton. Voilà. Et on déplace notre pâte, on la tourne à l'envers. Et on farine les côtés. Et puis, on va mettre un peu d'eau dans un petit contenant, comme ceci. Et
On va mettre la pâte. On va couvrir ça avec la rôtissoire. Comme ça, la pâte est dans un milieu fermé. On se revoit donc dans environ 2 heures. J'ai vérifié la pâte après 2 heures. Elle n'était pas encore prête. 10 minutes plus tard non plus, et maintenant elle l'est. Pour vérifier, on pèse, ça prend du temps et ça, la marque reste assez longtemps. Ça veut dire qu'il est prêt. S'il remonte rapidement, ça veut dire qu'il n'est pas encore prêt. Alors là, on peut enfariner notre plaque. Pour vous montrer, moi j'ai une pelle enfournée, mais si on n'a pas de pelle enfournée, tout simplement, on fait la même chose sur une plaque ordinaire, une plaque de cuisson renversée. On peut faire une aussi dessus ici. Et pour le déplacer, on met la main ici. On le renverse sur notre main avant. Tout simplement. Donc, on enfourne. Donc, tout simplement, on glisse le pain dessus. Et on vaporise. On ne peut pas le déplacer, malheureusement. Et on le couvre. On ferme. Et 450 pendant 15 minutes. On se revoit donc dans 15 minutes. Ça fait maintenant 15 minutes que le pain est au four. On vendait la rôtissoire. C'est maintenant le temps de sortir le pain du four. Donc, oh, il est très beau. Il est très beau. Voilà. On prend le pain, on le tourne à l'envers. On voit que tout est beau. On enlève le surplus de farine. On enlève le surplus de farine et on le met sur une grille de refroidissement.